Comment utiliser la version desktop de ClickChannel? Voilà, je vais vous montrer. Tout d'abord, vous devez vous inscrire. Vous devez venir ici sur version sur essai gratuit, parce que vous avez d'abord un essai gratuit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez l'option premium que vous pouvez payer. Voilà, donc vous pouvez payer tout le mois. Nous allons voir cela tout de suite là. Voilà, donc ici pour se connecter, c'est pas du tout compliqué. Hein. Voilà, donc on vient de dire hola, bonjour. Donc vous devez d'abord créer un compte. Pour créer un compte, vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous utilisez Microsoft. Pour créer avec Microsoft, voilà, soit vous utilisez votre adresse mail pour créer, soit vous utilisez votre Facebook, soit vous utilisez votre Gmail. Donc dans ce cas présent, je vais utiliser mon Gmail. J'utilise mon Gmail tout de suite. Hein. J'utilise mon Gmail, voilà. J'utilise mon Gmail et je vous reviens une fois que j'ai passé cette. Voilà, une fois que vous êtes que vous avez cliqué sur Gmail ou sur Facebook, bref. Ça dépend de la méthode dont vous voulez, le canal que vous choisissez, voilà. Mais moi, j'ai choisi ici Gmail, voilà. Donc, et j'ai déjà rempli tout à l'heure une première page, voilà. Donc, ici, là, on vous demande quel genre de vidéo vous êtes amené à vous amener sur ClickChannel, voilà. Vous pouvez dire éducatif, voilà. Vous sélectionnez. Si vous n'êtes pas concerné, vous allez juste sur suivant, voilà. Voilà, donc nous voici maintenant, nous sommes connectés maintenant sur la plateforme ClickChannel. Donc vous voyez, donc c'est tout en ligne, tout est en ligne. Donc si vous voulez créer une première vidéo, vous cliquez là sur créer une première vidéo. Nous allons cliquer là et vous avez aussi la possibilité d'enregistrer votre écran. Voilà, vous avez la possibilité d'enregistrer votre écran. Ça, c'est les différents modèles qui y sont. Alors, pour ceux qui connaissent Canva, vous allez voir qu'on tend un peu vers la même configuration. Voilà, vous pouvez créer une vidéo, vous pouvez enregistrer votre écran. Voilà, je vais parcourir avec vous quelques paramètres. Voilà, pour ceux qui veulent une mise à jour, donc ça c'est la partie pour ceux qui veulent comme ça faire des montages vidéo. Voilà, montage vidéo. Voilà, enregistrer, créer un enregistrement, créer un enregistrement, créer un enregistrement en écran et appareil photo. Voilà, écran, appareil photo, webcam, voilà, on autorise. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent comme ça enregistrer l'écran. Donc là, il a mis la webcam. Il a mis la webcam déjà. Voilà, il va lancer maintenant l'enregistrement. Lancer l'enregistrement maintenant. Lancer l'enregistrement. Ok. Pas de webcam ici. Là. Il va lancer l'enregistrement en Full HD. Il y a plusieurs paramètres. Là, c'est lance l'enregistrement de l'écran. On va lancer l'enregistrement de l'écran. L'écran a été lancé. Voilà. L'écran a été lancé. Il faut donc continuer. Partager l'écran. Tout l'écran, fenêtre. Voilà. On peut venir ici. Partager le contenu audio. Voilà. On annule ça. Fenêtre. Fenêtre ici, là. Bon, c'est la fenêtre qu'on veut. C'est cette fenêtre ici qu'on veut partager. Voilà. On va partager, on partage, on clique là-dessus. L'enregistrement, elle, est lancée. L'enregistrement est lancé. Donc, on montre, étant ici, on montre l'enregistrement. On vient là, on glisse ici. Voilà. L'enregistrement a été montré. Ça, c'est les effets musique. Ici, on a le texte. On a la vidéo dans la bibliothèque, ici, là. Voilà. Et vous pouvez utiliser cette vidéo aussi comme une vidéo de transition. Voilà. D'ailleurs, il y a pas mal d'informations ici qui sont utiles pour vous. Donc, tout à l'heure, je viendrai ici partager avec vous des vidéos vous permettant comme ça de pouvoir transcrire un texte audio, un texte en audio. Voilà, tout à l'heure, je viendrai là. Donc, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, abonnez-vous, likez et partagez. Voilà, pour pouvoir sauvegarder, avec la version gratuite, le forfait actuel, vous avez jusqu'à 1080 pixels. Voilà, stockage gratuit, c'est ça qui est intéressant. Vous avez ici filtres et effets gratuits. Voilà, pour la version premium, qui est de 12 et 12, on peut dire 12 dollars par mois, vous avez le stock premium. Voilà, vous avez ici le filtre et effets premium. Vous avez la marque unique. Voilà. Ici, quand vous enregistrez une vidéo, vous allez toujours avoir le logo là-dessus. Voilà. Ça, c'est le plan annuel. 1900. Voilà, ça, c'est le plan annuel.
Donc, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, je me ferai le plaisir de vous répondre dans un bref délai. Lorsque je l'ai dit une fois de plus.